Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien « Equidiam et le feu au Quintet » avec au programme trois rubriques « Feu rouge pour mon impasse », feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix du net à Saint-Cloud, 15 juments de 80 plus vont jouer les Amazones sur la distance de 2100 mètres. Feu rouge, je freine avec le 3 Beautiful Memory. Lauréate de son quintet au mois de juillet à Vichy, elle a effectué une rentrée correcte à Cagnes-sur-Mer. Baissée d'un kilo, je ne suis pas convaincu que ce geste de l'handicapeur soit suffisant pour qu'elle joue les premiers rôles. Et pour en rajouter une couche, j'aurais préféré une distance plus longue. Feu orange, ralenti avec le 11 Speedy Angel. Arrêté pendant plus d'un an après avoir ouvert son palmarès, l'élève de la famille Lerner a effectué une bonne rentrée sur la PSF de Villez. L'état du terrain, qui risque d'être collant, n'inquiète pas son entourage. Je la crois capable de déployer ses ailes dans la phase finale, d'autant que ses compagnons de boxe réalisent un bon début de saison. Feu vert, j'accélère avec le 7 Légende. Cette représentante de Satoshi Kobayashi, qui effectue sa rentrée, a beaucoup de choses pour elle. Performante sous sa fraîcheur, elle affiche 75% de réussite dans les 3 à Saint-Cloud. Tranchante sur des pistes pénibles, elle a déjà prouvé sa compétitivité en 36,5 de valeur dans les quintets. Je suis persuadé, convaincu qu'elle peut accomplir le même exploit que sa compagne d'entraînement Short Final, lauréate d'entrée de jeu dans les quintets. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus, champ total, flexi 50% avec le 7, le 14, le 11, le 10 et un X pour la somme de 8 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.